Église Saint-Barthélemy de Rex. Notre Église Saint-Barthélemy a gardé quasiment intactes ses formes originelles, à l'exception de la sacristie, difficile à dater compte tenu de l'absence de presbytère avant 1750 et après 1794, et du mur de façade modifié en sa partie supérieure. Elle nous rapporte donc très fidèlement ce qu'elle était à ses débuts, sans doute à la fin du XIIe siècle. L'affirmation de cette date est motivée par plusieurs observations. Les murs sont de gros appareils, il existe une voûte en forme d'arc brisé, de même que la porte d'entrée. Elle fut classée monument historique le 22 juillet 1913. Du haut de son clocher se discernent favorablement villages et vallées des alentours. Cette position constituait un véritable observatoire destiné aux guetteurs des temps troublés du Moyen Âge, notamment pendant la guerre de Cent Ans. L'église jouxte le château. Des lumières, des signaux lumineux placés dans le clocher la transformait en véritable phare des terres. Outre son rôle de repère, telle une lanterne des morts, elle pouvait servir à émettre des signaux vers l'ensemble des villages environnants, Villefagnan, La Faille, Courcaume. De plan classique, cet édifice comprend une nef, terminée en chevet par une abside contenant le chœur. Un petit croisillon, le seul ayant d'ailleurs existé, est adjoint à cette nef en sa face sud. Certainement érigé en chapelle annexe réservée au seigneur, ce croisillon est avantageusement pourvu d'une absidiole orientée vers l'est. Par arrêté préfectoral de la Charente, en date du 6 février 2004, le tabernacle à aile, à 1 degré et autel à gradins, en bois, de la fin du 18e ou début du 19e siècle, situé dans la chapelle sud de l'église Saint-Barthélemy de Rex, est inscrit sur l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés parmi les monuments historiques pour le département de la Charente. Le clocher, couvert de tuiles rouges, canals ou tiges de bottes, surplombe le chœur. Il est éclairé de 6 fenêtres surmontées d'arcs de plein cintre. Une seule cloche est présente aujourd'hui, placée en partie nord. Cependant, ce clocher semble conçu pour en accueillir une seconde. L'accès se fait par un magnifique escalier circulaire en pierre de taille collé au mur nord. La porte d'accès à cet escalier se situe à l'intérieur de l'église, côté nord, à environ 3 mètres du sol. La nef, surmontée d'une voûte en arc brisé, est composée de 3 travées marquées d'arcs doubleaux et de colonnes. La voûte repose sur un cordon rectangulaire. Elle est couverte de lauzes de calcaire dur. Le même matériau recouvre l'escalier du clocher, le chœur et l'absidiole du croisillon sud. Une large arcade à double rouleau,
trois du côté sud, sur deux colonnes, précède l'abside sous le chœur en cul de four, laquelle est désaxée vers le nord par rapport à la nef. Ce décalage des deux axes longitudinaux se remarque particulièrement au niveau de l'arc intermédiaire. Il est aisé de le constater en comparant la partie droite de l'arcade avec celle de gauche, cette dernière étant plus large d'environ 20 cm. De plus, il existe le même décalage sous la voûte et à l'intérieur du clocher, dont les fenêtres est et ouest sont décalées vers le nord.